I woke up to a wet Sunday, and it was best to stay on board. My dear friend Perry had left me a big blank book, more than 1,000 empty pages. It was the perfect day to begin to fill that book. I had finally the time to myself to draw again, to write and create, and so I did. From now on, every page will represent today. Today, we begin the big, thick book of self-inflicted solitary sentencing. One of the first things I do when arriving is to go to the food store, and for about 50 euros, I get food and booze to last a week or more. I want to feed the creativity. I'm actually salivating right now, and gonna turn on some one of my favorite YouTube channels, Svidelos or White Spot Pirates. I need to catch up with La Vagabonde and stuff like that. Like I said, I'm literally watering in my mouth now just to eat this food that I just made. So, gonna watch this and eat food. Go for it, Riley! I've got to get orders to do while she's doing the video stuff, so. Ça fait que je fais toujours la vidange, sortir l'huile du moteur, mon filtre carburant, mon pré-filtre, le temps que je fasse ça, mon filtre à huile se vidange, je fais le filtre à huile, je remets de l'huile. Quand j'ai fait tout ça, après je fais la purge carburant, la turbine et je le remets en route. Ok. Ça marche ? Ensuite, je change le joint. Le joint, il est dans la rainure en roulant. Ok. Toc, le joint. Là, on a le filtre. On a trois joints. Les deux joints sont différents. Il y en a un plus grand que l'autre. D'accord ? Parce qu'il y en a un qui va en haut et l'autre qui va en bas, dans la casserole du bas. On le met bien à plat. On change le petit. Il se met sur la pièce. D'accord. Je l'emboîte dans le petit. Ah, d'accord. Je tourne. Ça, c'est la pièce du bas. On met le joint. C'est tout ce qu'il y a à faire. Bien plat. D'accord ? Ouais. Maintenant, on remboîte ça au milieu de la pièce. Le vis qui prend cette pièce va remonter. On le visse petit peu et dès qu'on y est. Alors, je remets la pièce au centre. On voit que le vis monte là. Hein. Ouais. On le voit. Hein. Il faut essayer de le mettre dans le trou. Et on serre progressivement, normalement. Et plus je serre, plus j'écrase les joints. Donc tu veux pas serrer. Ça ne sert à rien. D'accord. Je serre, on va sentir une petite pression. Vous voyez que je commence à la sentir, cette pression. Ouais. Et bien quand on arrive à la pression, je serre un peu, c'est okay. Et quel numéro de clé là? 11. 11. On a fait le filtre à carburant, on va faire le pré-filtre. D'accord. Je dévisse. Ça, c'est pas le pré-filtre. Ça, c'est le pré-filtre. Ça, c'est le pré-filtre. On a fait le filtre à carburant. Ah, fait oui, le pré-filtre. Ce filtre, ok, d'accord. Donc, le gazoil, il va là avant d'aller là-bas. Tout à fait. Je tire doucement. Vas-y, qu'il n'y a pas... Bon, il n'est pas très sale, on le voit. Hein. C'est pas pourri, hein. On a encore du blanc. Hein.
On regarde un petit coup d'œil. On change. On enlève le joint. Je remboîte le filtre. Doucement. On prend le nouveau joint. Pareil. Il n'y a pas de surface. Hein. C'est... Il n'y a pas de côté en fait sur le joint. On change le deuxième joint. On le place. Voilà. On fait tourner un peu pour bien placer son joint. Hein, c'est tout, hein, pas plus pas moins. Et on serre. On n'a pas peur sur celui-là. On y met un petit coup de clé. Voilà, c'est tout. Là, je l'ai desserré, vous voyez. Je l'ai simplement desserré. Ok. Je le laisse couler un peu, quoi. Ouais, ok. Dans ma casserole, là. Il est pas chaud. Ah, il est bouillant. Ah ouais. Il a... Ouais. Alors le joint est directement sur. Il est directement dessus, ok. Pas, il n'y a pas ouais. Changé quoi que ce soit. Hein? On nettoie pas là. Non. Parce que l'huile qu'il y a là va nous servir de d'étanchéité ouais. En refermant. I wanted to film David not just for this episode, but to learn. It's like taking notes. In the day that I need to do this project on my own. I can watch David take me through it, step by step, over and over again. And to boot, I'll be bilingual at it. Voilà. On a fait le filtre à huile. Donc tu le serres uniquement à la main, comme ouais, ça? Ouais, allez-y. Essayez de le resserrer. Ouais, ok. Ok? Ouais. Bon. Le niveau, c'est pas grave, le filtre à huile est vide. Quand il va démarrer, voilà. Il va récupérer une quantité d'huile. Hein. Et puis après, tu rajoutes un petit peu d'huile. Et voilà, ce okay. Qui manque. L'apprenti. Ouais. Et celui qui apprend. Ah, donc elle est flexible. Donc c'est... Okay. C'est un micro. Ouais. Ah, le niveau, c'est là. Et on est monté jusqu'à là. D'accord. Ça fait que pour moi, on a le niveau. Mais on ne l'a pas démarré encore. Non, parce qu'après, ça va circuler. En fait. Voilà. La moindre bulle d'air, il démarre pas. Alors, la purge de la pompe à injection. D'accord. Ok. Ouais. Et en dessous, il y en a un autre là. C'est celui-là, là-bas. Là. D'accord. 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 Alors, celui-là, on va pas y toucher, celui du bas. On va faire que celui-là. D'accord. Il faut alimenter la pompe. Ça, je pompe. D'accord. Je pompe. Ça prend le gasoil au réservoir, ça va remplir le filtre qu'il y a là. Et tu pompes combien de fois? Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air. Mais au départ, on va avoir du carburant. Okay. C'est normal. Ouais. C'est ce qu'il y a dans le tuyau. D'accord. Mais l'air, elle est après le okay. Carburant. Okay. Ça fait que ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Pof, l'air arrive, le gasoil arrive, et après on ferme. Okay. D'accord? Vous voyez le fioul? Ouais, je vois. Ah. Vous l'avez vu l'air? Ah non mais je l'entends. Encore un peu Lucas? Ouais. Stop. Arrête. Et là on ferme. On a vidangé le tuyau avec l'air. Ouais. D'accord? Ouais. Mais après, le gasoil, il est arrivé. Ça veut dire que si le type il calcule pas qu'en fait, vous avez vu le moment qu'on a pompé quand même. On n'a pas pompé 2 secondes quoi. Hein. Ah. Automatiquement, le type, il se dit « Ah, le gasoil, il arrive, c'est bon, je ferme. » Mais non, il n'a pas enlevé l'air. Il a enlevé le gasoil du tuyau, pas l'air. Après, on a eu l'air, et après, on a eu le gasoil. Ça fait qu'on a enlevé l'air de la pompe à injection. D'accord ? Ouais. Maintenant, on va purger nos injecteurs. Les injecteurs, c'est 1, 2, 3 et 4. Là, on a un tuyau, là. On va le desserrer le tuyau. On desserre, on ne démonte pas. 2. Le 4e. Le seul moyen de purger une pompe à injection, c'est de mettre un coup de démarreur. Ah. Alors, Lucas, il va monter, il va nous mettre un coup de démarreur. Ok. Il faut laisser goûter, ça va pas
jeté, ça goûte. Pic, pic, pic. Dès que ça a goûté, on ferme. Ok. Et on le met en route. Allez, vas-y. Ah, oui, je vois. Voilà, on a purgé. Mais le Perkins, c'est un capricieux. Il vous montre qu'il est purgé, mais il va démarrer. Et s'il fait un et s'éteint, c'est mal purgé. Il faut refaire la même opération qu'on a fait à partir de la pompe à injection et à partir des injecteurs. Il ne démarrera pas si on ne fait pas ça. Ou alors au start pilote. Il faut insister au start pilote pour que le moteur il force bien et hop, ça vient. Mais bon, j'aime pas trop ça, moi. Je préfère purger 2-3 jours. On resserre les tuyaux. Donc là, tu l'as purgé avec la pompe et la petite vanne de purge. Voilà. Et tu as purgé avec chaque injecteur, tu as simplement... Voilà, on resserre normalement, pareil. C'est pas la peine de forcer comme... Hein ? Ouais. C'est des injecteurs, c'est des tuyaux en demi-lune. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? En faisant tourner le moteur, on a fait pomper l'huile. Ah. En pompant l'huile, on peut regarder maintenant notre niveau d'huile. Okay. On n'aura pas un filtre à huile plein. Mais on peut quand même le contrôler avant de le mettre en route. Pour être sûr que ouais. Manque pas d'huile. Hein ouais. Voilà, on voit qu'on est descendu. On est un peu plus bas que tout à l'heure. Hein là, oh non, on est pareil. Ouais, voilà. Ouais. Bon, on a un niveau d'huile, mais... Faudrait le faire tourner pour être sûr. On va le mettre en route comme ouais. Ça, on va vraiment le contrôler ça. D'accord. Parce que quand même, ça me chagrine un peu. Mais il marchait comme ça, ce moteur. Quand on fait un préchauffage sur les Perkins, ça fait... Et ça fume. Pouf. Sur le l'air. Ouais, excellent. Parce que ça réchauffe l'air. Ça réchauffe pas la chambre de compression. Ça réchauffe l'air. D'accord ? Vas-y. T'es content ? Ouais, ce moteur il est. Non mais. C'est un bon moteur. Franchement, c'est une bonne bête. Fermez cette vanne-là. Voilà. Ici, je mets en route pour aspirer le reste d'eau qu'il y a dedans. Ouais. Donc ça m'évacue le maximum de flotte d'eau de mer. Ouais. Et au moins, je peux démonter ma turbine. J'aurai toujours un peu d'eau. D'accord. Mais ça sera moins, ok. Ça ne va pas gicler partout. Voilà. Ok. Pas plus, pas moins. Maintenant, on va changer la turbine. Maintenant, je vous refais la même expérience sans démarrer. Mais ça agit pas, il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau qui va couler. Essaye. Ah bon, rien, elle n'a pas d'usure. Les palmes reviennent assez rapidement, tu vois. Palmes. Je sais pas ça. Les palmes. Ouais. Les palmes. Bah, c'est des palmes en fait. Hein. Bah, c'est vrai. Bah... C'est quoi du sel, non ? Ah ouais. Vous voyez qu'il faut toujours faire les turbines et il faut les faire tous les ans. Un contrôle. Ouais. Si elle a rien, c'est pas grave. Hein. Ouais. La turbine, je peux aussi bien la mettre comme ça que comme ça. Ok, donc il n'y a pas d'importance. Voilà. Donc okay. Plie les palmes, d'accord. Je trouve le cran, d'accord. Et je pousse. Voilà. Voilà, capuchon, je remets le capuchon. Alors il y en a qui vont là, il y en a qui vont pas là, parce que des fois c'est pas les mêmes turbines, d'accord. On remet la plaque identique au même endroit, ouais. Et le joint pareil. On serre, normalement, voilà. C'est tout. Okay. On va faire le contrôle du nid d'abeille en dernier. On sait que dans l'inverseur, on a ce niveau. Vous allez me dire, oui, mais David, est-ce que vraiment il manque pas d'huile dans l'inverseur? Parce que ce niveau-là, tu me dis que ça fait ça. Mais est-ce que vraiment dans l'inverseur, il y a ça? Est-ce qu'il n'y en a pas plus? Est-ce qu'il n'y en a pas moins? Ben non. Dans l'inverseur, on a à peu près, ça fait quoi ça? 35-40 centilitres. Hein, à peu près. À peu près un demi-litre. On le voit là, cette usure grise métallisée là. Ouais. Et c'est pas grave, c'est normal.
pas brûlé. Qu'on le voit là quand même, il n'est pas jaune, il n'est pas bleu quoi, hein. Il est un peu terreux quoi. Hein. Ouais. Et ça tu le fermes. Voilà, vous le vissez. Tu le visses et puis. C'est tout. C'est tout. Vous le serrez, c'est tout. Pas plus, pas moins. Allez, maintenant on va aller voir le nid là-bas. C'est quoi ce bruit là? C'est le vent? C'est le vent, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On a les trous qui sont très très bien débouchés. Hein. On n'a pas. Hein, on va pas dire que c'est sale ça. Hein. Ouais. Je vous explique. L'eau de mer arrive dans les trous, traverse son petit chemin, refroidit le cas de saison qu'il y a autour de ça. Ah. D'accord ? Okay. Et repart par l'échappement. Ah. Voilà, c'est tout. Pas plus, pas moins. Okay. D'accord ? Plus l'eau passe, plus refroidit. C'est le radiateur, comme tu dis. C'est le radiateur, tout à fait. Voilà, ça marche comme ça. Mais bon, on a bien dit. Oui, tu vois, ici on a une collerette avec du vent et le bateau qui bouge.